Et 3 avril 2019. Je me souviendrai de ce jour. Alors, les gens qui me suivent sur Insta assez régulièrement comprendront ou savent ils savent déjà de quoi je parle, hein. Ils sont déjà au courant. Et ceux qui ne me suivent pas sur Insta, pourquoi ? Et ceux qui n'ont pas pu me suivre cet après-midi parce qu'ils étaient au taf ou tu dormais ou je sais pas quoi, sont pas au courant. Vous connaissez ma réputation de boulet, on est d'accord, hein, voilà. Mec, il est un peu boulet, il zappe des trucs, il fait des trucs bizarres, machin, tout ça. Comme je dis toujours, il n'y a que ceux qui font rien, à qui il n'arrive jamais rien. Donc en même temps, si je fais des conneries, c'est que j'essaie de faire des choses. Eh, vu comme ça, c'est pas faux. Et ben ce jour, aujourd'hui, en ce 3 avril 2019, et j'ai eu la très très bonne idée de partager en story Instagram une capture d'écran de mon forfait mobile pour montrer que Orange nous avait offert 200 gigas d'internet pour avoir déménagé notre connexion sans partir chez un autre opérateur. Ouais, c'est gentil. Moi je me suis dit, c'est cool Orange, c'est sympa. En plus vous savez à quel point on a besoin d'internet, des data, on arrive à fumer en un mois, on fume mes 50 gigas, les 50 gigas de Maeva et les 50 gigas de la Sagebox. Bref, j'ai voulu vous partager ça et j'ai merdé. Et fucked up. J'ai complètement merdé parce que en faisant la capture d'écran de Soch, j'ai fait gaffe de pas montrer mon numéro de téléphone qui est affiché au-dessus dans mon contrat. Je vais vous raconter le déroulement du truc, ok? Alors, je fais ma petite story. Nickel, je me dis nickel. Hop, c'est partagé, je suis content. Orange nous a offert 200 gigas. Et là, une demi-heure après, je prends mon tel. Je me connecte sur Instagram, je fais la démarche en reconstitution, je monte les escaliers, je regarde, je vois, message privé. Bon, j'ai des messages privés, ok. Tac. Et là, je vois 57 messages en attente. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un scandale? Je sais pas, tu sais, où les gens, ils m'aiment vraiment beaucoup. Et du coup, je regarde pas tout de suite, je me dis, ouais, 57, ouais, ça fait un peu beaucoup. Le mec, comprend pas. Et 5 minutes après, je me dis, bon, je vais quand même aller regarder ce que les gens me disent, parce que je savais que j'avais eu un partenariat qui m'avait contacté. J'ouvre et je vois, attention, au hasard, j'en prends un au hasard, je fais comme ça. Et je vois, attention Adrien, tu as mis ton numéro de téléphone en story. Quoi ? Tac, 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 je retourne en arrière, je vais voir mes stories Instagram, et là je tombe sur ma capture d'écran et je vois que ces enculés, ils m'ont mis mon numéro de téléphone juste en dessous de mon forfait. Je l'avais effacé au-dessus, enfin je l'avais coupé, mais en fait ils me l'ont mis. C'est con, ou c'est marqué suivi de votre consommation, 06, nanana. Et je me suis dit putain. Le pire, c'est que ça faisait au moins 10 fois que je recevais un appel d'un numéro privé, alors je ne réponds pas au numéro privé. Et que ma mère me disait putain, c'est quoi qui t'harcèle là? Et ben voilà, j'ai merdé, j'ai publié à 22 000 personnes mon numéro de téléphone privé. Du coup, je fais toute une story en disant « Ouais, c'est bon les gars, j'ai merdé le boulet et tout ça. » Ou je marque une story où je dis « De toute façon, je comptais changer de numéro. » Et ça, c'est vrai. J'avais dit à Maeva, une fois que la société en France serait fermée et tout ça, je changerai mon numéro. Parce que je suis toujours importuné par des trucs commerciaux, des comptables, des trucs comme ça qui me cassent les couilles en longueur de journée. Je dis « Allez, on repart à zéro. Ce numéro, ça fait des années que je l'ai. J'aime bien changer une fois de temps en temps. Bah, c'est le moment de le changer. » Du coup, je vais sur l'ordinateur, je pose mon clavier, hop, 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 soch.fr, changer numéro de téléphone. Et ils me disent « Vous pouvez le changer en ligne et tout ça. » Donc, je fais deux demander un nouveau numéro de téléphone, boum. Donc là, à l'heure actuelle que vous regardez cette vidéo, normalement, le numéro a été changé, ou peut-être pas encore, bref. Mais, j'ai quand même été sollicité pour le coup. Je vous jure, je suis vraiment boulet. Je vais vers Maeva, elle était en train de vlogger, ou je sais pas ce qu'elle faisait, je vais vers elle, je fais, je vous la porte, je fais, hey, « Hé Doudou, j'ai merdé. » Elle me regarde, elle me fait, « Qu'est-ce que t'as foutu encore ?» Je sais pas, j'ai un petit peu balancé mon numéro de téléphone à 22 000 personnes, et de plus, si affinité, parce que ça a dû tourner hein, sur Twitter, machin, tout ça. Et elle me regarde, elle fait, « Mais non, mais si, elle me fait, mais t'es vraiment con, qu'est-ce que t'as foutu ?» Je dis, « Bah, j'ai mis une capture d'écran d'Orange et tout ça, et en fait, il était affiché, j'ai pas fait exprès. » Elle me fait, oh, « Mais comment tu vas faire ?» Je dis, « C'est pas grave, de toute façon, je voulais changer de numéro, j'ai déjà fait la demande, d'ici demain, ça sera validé, j'aurai changé de numéro de téléphone. » Du coup, bah, ça implique que je dois changer à la banque, pour la carte bancaire, machin et tout ça, mais c'est pas grave. Je voulais le faire. Tout en sachant que certaines personnes l'avaient déjà, avec une annonce Le Bon Coin que j'avais mis il y a un an et demi avant qu'on soit trop connu, des gens l'avaient déjà chopé pour la C1, je crois. Ouais, la C1. On avait vendu la C1 de Maeva. Mais, ouais. Il faut le faire quand même. Hein. Putain, le boulet. Et je me suis dit, ouah, ça c'est un sujet de vidéo. Il faut vraiment que je vous raconte ça pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, parce que tout le monde n'est pas forcément sur Instagram. Vous n'avez pas tous suivi ce qui s'est passé. Puis il faut que je vous dise à quel point j'ai été boulet aujourd'hui.
Alors, pour résumer, j'ai reçu, et vous savez ce que je me suis dit, je vais vous le dire après, j'ai reçu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 plus 12, 9, 21, 21 plus 22, 43, 43, 43 plus 12, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 appels en numéro masqué j'ai reçu aujourd'hui. 62. Mais bon, moi, les numéros masqués sont bloqués, donc je les vois même pas sonner. Ça me blacklist direct. 62 appels en numéros masqués. Mais le plus intéressant, c'est que, bon, j'ai eu des SMS, j'ai deux personnes qui m'ont écrit. Je crois que j'ai déjà supprimé les messages, mais ils m'ont écrit en disant « Attention Adrien, je me permets de t'envoyer ce SMS, je supprime bien ton numéro après et tout ça. » C'est gentil, c'est bienveillant, merci de m'avoir prévenu. Par contre, il y a des gens qui m'ont appelé avec leur portable. 07, 07, 06, 07, 06, 40, 06, 36, 07, 68, 06, 36. Et je me suis dit « Eh, je pourrais peut-être balancer leur numéro en public aussi. » Ils ont essayé de m'appeler, donc ça veut dire que dans l'eau, ils s'attendaient peut-être à ce que je réponde, tu sais, que je dise « Oui, allô ?» Tu sais, je sais pas. Mais peut-être que je pourrais balancer leur numéro en public. Hein. Si je me suis dit, ça serait... Ah, ça serait salaud quand même. Mais en même temps, hein, c'est moi qui fais la boulette. Mais bref, je vais pas balancer leur numéro, mais je me suis dit, ça aurait pu être sacrément pute quand même le faire. Mais bon, c'est pas mon objectif. C'est vraiment une vidéo pour que vous foutiez de ma gueule, en fait. Vous pouvez marquer hashtag le boulet, quoi. Faut le faire. Je sais qu'il y a des youtubeurs à qui les numéros ont fuité, comme Amixem, machin, etc. Parce qu'en fait, un gars travaillait chez Air France et tout, avait chopé son numéro de la base de données. Mais, ouais, là, franchement, le faire volontairement. En tout cas, si j'avais voulu créer le buzz, c'était fait. Hein. C'était fait parce que je pense que cette vidéo va quand même pas mal vue. Parce que les gens vont se dire, qu'est-ce qu'il a foutu, numéro de téléphone. En plus, je vais mettre un titre putaclic. Bon, même pas putaclic, c'est vrai. Où je vais marquer, j'ai balancé mon numéro de téléphone sur Instagram. Tu vois, je vais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Bref. Je fais toujours attention quand je poste des stories à regarder s'il n'y a pas de données et tout ça. Mais là, ouais, là j'ai complètement merdé. Oh là là là. Il y a vraiment qu'à moi que ça arrive, ces conneries. C'est de l'inattention, mais totale, hein, vraiment. En plus, j'avais pas du tout prévu de faire ce type de vidéo ce soir. Je devais parler d'un tout autre sujet, en plus que Maïva était au courant. J'avais dit que j'en parlerais en vidéo sur ma chaîne. Elle est en train de m'écrire, en plus, je sais pas ce qu'elle me raconte. Mais bon, je me suis dit, là, c'est le moment, Adrien, faut que tu parles de cette vidéo, que tu parles de cet événement. Vraiment, c'est à noter, le 3 avril, parce qu'on est le 4, hein, il est minuit 1, le 3 avril 2019, j'ai balancé mon numéro de téléphone portable sur Insta à plus de 20 000 personnes. Faut vraiment le faire, franchement, faut vraiment le faire. Bref, c'est pas très grave, y a pas mort d'homme. Moi, j'en ai rigolé, comme d'hab, vous savez à quel point je m'en fous, quoi. J'ai reçu des appels et tout, j'ai pas répondu. De toute façon, je réponds généralement, je réponds qu'aux gens que je connais. Tout simplement parce que je les enregistre, en fait. Du moment où j'ai contact avec une entreprise ou quelque chose, je l'enregistre, comme ça, je sais qui c'est, donc y a pas de risque. Et demain, mon numéro sera changé, et puis je repars à zéro, et moi, ça me va très bien. C'est ce que je voulais, repartir à zéro, de toute façon. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment un boulet. Et que j'en ai beaucoup rigolé, quoi. Donc, les gens étaient paniqués à ma place. Ah, 50 messages privés. Ah, 60 appels. Ah, mais non, mais ça va. Mais c'est gentil de m'avoir prévenu parce que c'est vrai que si vous l'aviez pas fait sur Insta, je l'aurais pas vu. Vous êtes beaucoup à avoir prévenu, mais c'était nécessaire. Vous voyez, des fois, nous prévenir en disant attention, tu sais qu'il y a du ménage dans la nouvelle maison. Bon, ça, c'est un peu chiant de recevoir des messages privés comme ça. Je le dis, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, faut pas faire croire que on est tous des bisounours et youtubeurs, mais quand tu reçois 20-30 fois la pelouse, il faut la tondre, c'est chiant, quoi. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui t'avertit de choses comme ça, merci à vous, la communauté, d'être là et d'être bienveillant, parce que finalement, la story a été vue 7000 fois avant que je la supprime. Puis sur 7000 personnes, bah, vous voyez, j'ai eu 1% de personnes qui m'ont appelé. C'est toujours le 1% du marketing. C'est ça, c'est quand tu démarches quelqu'un porte à porte ou autre, t'as toujours 1% de résultats possibles. Donc, y a pas de problème, vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai changé mon numéro, il va changer demain ou après-demain. J'en ai d'autres de numéros, de toute façon, que vous ne connaissez pas, que j'ai pu donner d'urgence qu'il faut. Mais voilà. Ce numéro, il ne sera plus disponible. J'espère que la personne qui récupérera son numéro plus tard ne sera pas importunée ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, c'est de l'histoire ancienne. Et je me dis merci parce qu'à cause de ma connerie, ça m'a poussé à faire ce changement de numéro que je voulais faire déjà depuis un mois ou deux mois. Tout va bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Très courte vidéo, mais sur un événement assez rigolo. J'espère que ça vous a plu. Non, la prochaine vidéo que je tournerai, ça sera encore ici. Mais normalement, dans deux jours, je vous tournerai une vidéo dans la nouvelle maison, dans mon nouveau setup. Mon nouveau bureau avec le nouveau décor, la lumière et tout. J'ai très, très, très hâte de continuer mes vidéos dans cette nouvelle configuration, parce que je prends de plus en plus de plaisir à faire ces facecams, à faire ces vlogs, à faire ces vidéos dans la voiture, des trucs comme ça. Ça me plaît vraiment beaucoup.
Donc j'espère que ce nouveau setup sera mieux, que je pourrai faire plus de choses de manière différente, voilà, que ce soit lumière, cam, réalisation, fond vert, des trucs comme ça. J'ai envie de rigoler avec vous. Et vous êtes là. Vous êtes là et vous regardez ces vidéos et c'est génial. Même ma vidéo sur la bagnole aujourd'hui, finalement j'ai presque 6000 vues quoi, c'est juste fou. Merci de me suivre de plus en plus. Ça me touche vraiment et j'apprécie. Vous voyez, je termine sur une note sentimentale, histoire que vous soyez accroché par l'émotion, que je vous retienne et que la prochaine vidéo, vous ayez un devoir de responsabilité à regarder cette vidéo en disant il compte sur nous, il nous remercie, il compte sur nous, donc je vais regarder davantage de vidéos. Vraiment, c'est ça que j'essaie avec ces propos, mais c'est vraiment sincère. C'est sincère. Je m'épanouis de plus en plus avec ces vidéos. Ce n'était absolument pas dans ma personnalité quand Maeva a commencé à faire des vlogs, a commencé à faire des vidéos sur YouTube. Je voulais pas apparaître au début et finalement je m'y suis pris au jeu. Je voulais pas faire de chaîne YouTube et finalement je m'y suis pris au jeu. Je voulais pas faire des vidéos tous les jours et je m'en suis pris au jeu. Et j'ai l'impression en fait d'avoir des potes, d'avoir une bande de potes avec qui je peux parler. Aussi avoir des connards. Hein. Les potes en fait ils viennent toujours avec des connards. Hein. De toute façon il y a forcément des cons. Mais tous ensemble, entre cons, entre gentils, entre potes, etc. Et bon, on forme une belle communauté de viewers, de likers, de dislikers, de commentateurs, de critiqueurs, et c'est ça qui fait YouTube. C'est ça qui fait YouTube, moi je le prends comme ça. Je me dis, YouTube, c'est une boîte, quand tu veux la prendre, tu la prends avec tout ce qu'il y a dedans. La merde et les bonnes choses. Et ben, moi je vois que vous êtes beaucoup de bonnes choses, et que vous me rendez tous les jours, grâce aux vues que vous faites, vous me rendez ce plaisir en fait de faire des vidéos. Donc merci, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite.